La tête de liste du Modem a surtout mis en avant celui qu'elle considère comme son atout majeur, Yann Verling, l'ex-secrétaire national des Verts, qui s'est dit agréablement surpris par cette équipe. Elle était enfin, ce que je cherchais depuis longtemps, ouverte à des idées nouvelles, et moi-même, j'avais envie de sortir du carcan dans lequel j'étais, le carcan de l'irresponsabilité, de la logique d'appareil, qui est une insulte à l'intelligence.